Messieurs, dames, bonjour. C'est avec un peu de retard que je vous présente ce 9e Battle Actu, qui est le 5e et dernier pack d'extension d'Arline, nommé Trahison ou Betrayal. Vous avez formé une équipe, réussi un casse parfait et échappé à la police, mais des ennemis tapis dans l'ombre attendent leur heure. Des silhouettes dissimulées derrière des mausolées décrépits, des affrontements se préparent dans les ruelles et les prisons d'État. Voilà tout ce qui vous attend dans ce pack d'extension. Vous voulez tout connaître de ce DLC? C'est tout de suite dans cette vidéo. Pour commencer, nous avons 4 nouvelles maps. Si je vous dis Close Quarters, ça vous parle, n'est-ce pas? Bien sûr que cela vous parle, vous frissonnez juste à l'entendre. Eh bien, c'est le terrain qu'offre la nouvelle map Alcatraz. L'équipe de Visceral Games a toujours voulu créer cette map depuis le tout début du jeu. La carte est fortement inspirée de l'idée réelle, seuls quelques minces changements ont été effectués. N'oublions pas que Alcatraz a été construit comme un fort militaire, et plus tard transformé en une prison fédérale. Vous l'aurez compris donc, les combats se passeront dans cette prison à San Francisco. Seconde map, nous avons la map Cimetière, qui se situe à New York. Des combats rapprochés s'opéreront de nuit, et le véhicule Corbière est présent sur cette map. Troisième map, c'est Shanghaitown, ou Quartier Chinois, qui est un remake de la très célèbre carte Grand Bazar de Battlefield 3. Ils ont dû tout de même s'adapter au code d'Arline pour répondre aux exigences du jeu. C'est pour cela que la map se passe le soir et à Los Angeles. Quatrième et dernière map de ce DLC, c'est Glace Fine. Elle est située autour d'un site de crash d'un avion de réserve fédéral dans les montagnes de la Sierra Nevada. Vous l'aurez compris, cette map est beaucoup plus ouverte que les précédentes. On en vient aux nouvelles armes et il y en a vraiment beaucoup. Alors, pour ce DLC uniquement, il y a 7 nouvelles armes. Et il y a également 6 nouvelles armes qui sont accessibles pour tous les joueurs sur toutes les maps. Les 7 nouvelles armes pour ce DLC. En premier, nous avons l'A8S. C'est une arme qui lance un seul projectile, en l'occurrence des flèches. Ensuite, nous avons le Dual VZ61. C'est un pistolet semi-automatique vraiment cheaté. Ensuite, nous avons la MP9. C'est une mitraillette. Ensuite, nous avons la SPAR, un sniper semi-automatique. Ensuite, une arme improvisée, c'est son nom. Idem que le Dual, c'est un pistolet semi-automatique, mais avec une moins bonne cadence, mais bien plus précise. Et enfin, les deux armes spéciales, le Mammouth, une sorte de fusil à pompe, et arme Syndicat, avec une faible cadence. Et les 6 autres armes qui sont accessibles sur toutes les maps. En premier, nous avons la RPK-74, un fusil d'assaut identique à la RPK tout court, mais avec meilleure cadence. Ensuite, Log A3, un fusil d'assaut. Ensuite, la MX4, une mitraillette. Ensuite, la M4 Shotgun, c'est un fusil à pompe semi-automatique. Le M98B, un sniper Avero. Et le M1903, la même chose, mais qui fait moins de dégâts. Ensuite, on en vient aux nouveaux objets pour le corps à corps, disponibles avec les couteaux et compagnie. En premier, nous avons le fameux hachoir du boucher. Ensuite, le petit cure-dent du diable. Ensuite, nous avons les nouvelles épées de l'Inquisition, disponibles en 3 couleurs, en fer, en or et en rouge. Mais pour pouvoir accéder aux épées de l'Inquisition en or et en rouge, il faudra successivement débloquer celle en or et ensuite celle en rouge. Ensuite, nous avons le carambit, une sorte de couteau, et enfin une pelle. Celle-ci servira à assommer vos assaillants, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons 2 nouveaux véhicules pour ce DLC. En premier lieu, la motoneige, un véhicule présent dans de nombreux packs d'extension ainsi que dans Battlefield 4. Vous connaissez tous ce véhicule. Et en deuxième, nous avons le corbillard, un véhicule très long et pas très rapide, mais qui peut transporter du monde tout de même. Enfin, nous avons l'établi d'armes, grosse nouveauté de ce pack d'extension. L'établi d'armes est disponible via le Battle Log, dans la personnalisation de votre personnage. Puis en haut à droite, Launch, Gun, Bench. Cela va vous lancer dans une nouvelle partie. Pensez bien à spawner dans le stand de tir et de quitter en sauvegardant via le menu.
Puis vous retrouverez votre arme personnalisée dans le jeu dit normal en haut de toutes les armes. Il y aura marqué établi d'armes, armes personnalisées. Tout sera verrouillé, c'est tout à fait normal. Si vous voulez de nouveau modifier quelque chose, faut retourner dans l'autre instance de l'établi d'armes. À vos peintures, soldats! Eh bien, on arrive déjà au terme de ce 9e Battle Actu. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réactions dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve d'ores et déjà pour un 10e Battle Actu spécial dit statistique de Battlefield. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais restez par là en tout cas. Par la suite, on se retrouve pour les Battle Actu de Battlefield 5 ou un autre nom qu'il aura dans l'avenir très proche à la fin de cette année 2016. Ou, pourquoi pas, pour des breaking news, mais ce sera à voir. Je voudrais aussi vous refaire des Battle Zap, parce que le dernier en date a laissé un léger goût amer. Je souhaiterais tout de même rectifier le tir. Bref, vous l'aurez compris, plein de projets en perspective, mais pas forcément le temps. De plus, ce sont tous ces Battle Actu, Mine Actu et j'en passe qui me prennent vraiment le plus de temps. Mais c'est aussi les plus intéressants à faire sur ma chaîne. Bref, un peu plus de blabla que d'habitude, dû à la fin de cette deuxième saison des Battle Actu. Je vous donne donc rendez-vous pour la troisième saison. Portez-vous bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Sur ce, c'était Lespin. Ciao à tous. Oh oui, ciao, ciao! Troisième map, c'est Shanaritan. Shinatun. Ouais, Shinatun, c'est bon, parfait. Et enfin, une pelle, et non, on va pas s'enrouler une. Lol. Que dans Battlefield 4, vous connaissez tout. Corbillard, un véhicule très long et pas très rapide, mais qui est. Putain, what the fuck.